Salut les petits choux, j'espère que vous allez bien. Moi j'adore ce changement de saison et ce week-end on passe un week-end à la ferme en famille et pour marquer le changement printanier, j'ai très envie de manger une tarte. Marion va venir m'aider. C'est parti pour le printemps. Tada, j'ai toujours su que j'avais la main verte. Salut Margot. Salut. Oh, la reine de la tarte. Tu vas faire quoi comme tarte pour faire plaisir à toute la famille? Alors, je te propose une tarte pistache framboise meringuée. Waouh. On va faire une pâte sablée aux pistaches, un crémeux framboise, un croustillant pistache chocolat blanc et une meringue italienne. On va faire des petites fleurs sur le dessus. Bon, bah c'est parfait. Les petits choux, on se fait plaisir. On vous emmène pour un nouveau challenge. Gourmand. Les petits choux, c'est parti pour la première étape. Et la première, bah forcément, c'est la pâte. Pâte sablée pistache. On va mettre dans la cuve la farine et le beurre coupé en dés. D'accord. Et on va venir créer un sable. Une fois que le beurre il sera en tout petits morceaux, on va venir ajouter donc de la poudre de pistache et du sucre glace. Ah d'accord. Ça sable bien? Oui, c'est bien, on est pas mal. La farine, elle devient jaune, tu vois. Et on n'a plus de gros morceaux de beurre. Tu vas pouvoir ajouter le mélange sucre glace et poudre de pistache. Alors, une fois que c'est amalgamé, tu peux ajouter l'œuf en filet. J'y vais? Oui. Donc là, on va attendre que ça mélange un tout petit peu, que ça se décolle des bords de la cuve. Donc là, ça commence à se rassembler, tu vois. Ça y est, tu peux l'enlever. Ah, parfait. Donc là, on va venir la fraser. Donc pour la fraser, on va simplement écraser la paume de la main sur la pâte. Là, tu fais ça bien, toi. T'as vu ça? Ouais. Donc là, je vais juste faire une boule, la déposer sur un film alimentaire. Avec ma main, je vais appuyer. Waouh. Voilà, elle va refroidir plus facilement si elle est fine. Hop, je la filme au contact. Et on va la mettre au frais une quinzaine de minutes. Ah, d'accord. Salut! Ça va, Margot? Non, hein? Les petits choux, c'est parti! Alors là, on va foncer. Alors, foncer, c'est quoi? Bah, c'est quand on va vite. Oui, mais c'est quoi en pâtisserie? On va foncer la pâte à tarte. Donc là, j'ai fleuri mon plan de travail. J'ai mis de la farine un peu partout pour pas que la pâte elle adhère sur le plan de travail. Alors, je fais un aller-retour ou deux. Un quart de tour. Un quart de tour, c'est ça. Et on tourne. On évite de mettre les mains au centre du rouleau pour éviter de marquer la pâte sucrée. Hop, et on recommence. Mais regarde, là, c'est parfait. Ouais. C'est magnifique. On va venir la piquer avec un pique-vite. Ah oui, tu la piques bien, hein. Je la pique vite, hein. Comme ça, la pâte, elle va pas gonfler. D'accord. Et là, on va faire une cuisson à blanc. Il faut vraiment bien la piquer uniformément. D'accord. Et les trous, ils doivent être à l'envers. Bien sûr. Pour que ça respire pas en dessous. Donc, je vais soulever la pâte sablée. Ah, j'aime bien quand tu fais ça, c'est rigolo. Et la déposer sur mon cercle. Je vais m'assurer qu'au fond, la pâte, elle touche la plaque. Et ensuite, avec mon pouce, je vais faire un geste. D'accord. Comme ceci. La première étape, elle consiste à faire tomber la pâte sablée jusque dans l'angle. Donc là, pour l'instant, voilà, tout doucement. Donc j'appuie pas, hein, je la dirige. Voilà, tout autour. Donc je soulève et j'appuie légèrement avec mon pouce. Là, on a fait un tour. Pour m'assurer vraiment qu'elle s'affaisse pas pendant la cuisson, je vais en refaire un. Donc là, la pâte, maintenant qu'elle est bien au fond, je vais juste la rapprocher vers le centre et rappuyer, mais un peu plus fort. On marque bien l'angle en fait. Et on n'hésite pas à tasser, voilà, bien. Juste faire attention pour les filles si on a des ongles. Oui. On a fait notre deuxième tour. Je vais passer mon pouce dans l'angle, tout autour, pour être sûre que la pâte, elle adhère bien à la fois au sol et sur les bords du cercle. Parfait. Il reste plus qu'à prendre un couteau et à enlever l'excédent de pâte. Donc le couteau, on le tient bien droit, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on coupe la pâte contre le haut du cercle. C'est bon, là? C'est bon. Avec le reste, tu peux refaire une boue et puis t'en servir pour la prochaine fois. Tu peux la congeler. Donc là, je vais la mettre un petit peu au frais. C'est toujours mieux. Ça évite à la pâte de se redéformer pendant la cuisson.
D'accord, ben on y va. Et voilà, la pâte est bien refroidie. On va maintenant la passer au four à 180 degrés, à peu près 20-25 minutes. Ça dépend du four, vous surveillez bien. On la met maintenant et on enfourne. On se retrouve après la cuisson. C'est parti. Et voilà, la pâte. Et voilà, la pâte est bien reposée. Non, est bien refroidie. Oh bah dis donc. 1, 2. Les petits choux, on est parti pour le croustillant pistache. On a besoin d'un ingrédient formidable. Qui est la pâte de pistache. Voilà, la pâte de pistache. On a fait un petit peu fondre le chocolat blanc au micro-ondes. On va le mélanger avec la pâte de pistache. Et ensuite, on va rajouter des éclats de pistache et des crêpes dentelles. Ça va apporter du croustillant à notre tarte. On mélange les deux, regarde-moi ça. Allez, on arrose. Ah, bim. Ça y est? Regarde-moi ça. Bah oui, ça m'a l'air pas mal. Hein, tu vas pouvoir tout verser sur la tarte. Donc là, j'en mets un peu partout. Voilà, on va le mettre un petit coup au frais, juste le temps de préparer le crème à la framboise. Et puis après, on viendra la recouvrir et la finir. Allez, au repos, madame. Les petits choux, c'est parti pour l'étape 3. Et alors, on va faire un crémeux framboise. Oui. On a de la purée de framboise juste ici, qu'on a mis à réchauffer. Tu peux ajouter le sucre. On va faire chauffer un peu le sucre pour le faire fondre. Moi, pendant ce temps-là, je vais mélanger le jus de citron et de la maïzena. Est-ce que tu peux m'ajouter un petit peu de purée de framboise pour mélanger? D'accord. Merci. Pour moi, c'est bon. Je te le verse dans la casserole et tu mélanges jusqu'à ce que ça épaississe. D'accord, chef. Regarde. Plop. Ah, ça va commencer à épaissir. Ça va commencer à épaissir. C'est parfait. C'est parfait. Oui. On retient du feu pour mettre le beurre. Ça, c'est super important. Et on envoie. Ouais, il y a un petit morceau. Ça permet au beurre de fondre plus facilement. C'est bon? Oui. On le verse là-dedans? Oui, juste pour le faire refroidir un petit peu. Et puis, on va le poser sur la tarte. Parfait. Les petits choux, notre tarte a bien reposé. Le crémeux ici à la framboise nous attend et lui aussi l'a bien reposé. Je dispose et tu... Et j'étale. Tu étales. Allez hop. C'est pas mal là, non? C'est correct? Tu peux pouvoir encore en mettre un peu, je pense. C'est gourmand, c'est beau, c'est frais, c'est printanier, moi j'aime bien. Donc là, on va juste le laisser reposer au frais, mais c'est vraiment le temps qu'on prépare la meringue pour la décoration. C'est parti, on prépare la meringue? Allez, oui. Allez, c'est parti pour la meringue, et ça, je le garde pour moi. Les petits choux, on vous emmène pour l'avant-dernière étape de la meringue italienne, celle qu'on utilise pour les tartes au citron meringuées. Ici, on a des petites bulles qui se forment, on a mis de l'eau et du sucre. Et donc là, on les fait chauffer jusqu'à 118 à 121 degrés. Donc là, sans thermomètre, on sait que la température est bonne quand on voit des grosses bulles se former. Là, ça y est. Hein. Voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir l'enlever et le verser enfilé sur les blancs d'œufs. Qui tourne. Dans la cuve du robot. Voilà. Et alors on met enfilé, mais quand même assez rapidement. À fond. À fond les ballons. À fond les ballons. Et voilà, on est bon. On est bon. Quelques minutes suffisent. C'est magnifique. Parfait. Donc elle est bien brillante, hein, la meringue italienne. Elle est toujours brillante, légère. Tu peux dire que c'est la, pour que les gens visualisent, expliquer que c'est la meringue des tartes citron meringuées. On y allait. Ah bon? C'est pas vrai. Non, parce qu'il y a deux minutes, elle me dit, t'es meringue, faut que je fasse préchauffer le four. Ah ouais. Si j'en avais vu des là-bas, je croyais que c'était ça qu'elle voulait refaire. Ah non. C'est pour ça que je voulais faire ça. Eh, je suis pas perdue, hein, Les petits choux, c'est parti pour la décoration, c'est notre dernière étape. J'ai décidé de prendre une grosse douille cannelée, une plus petite, et on va faire des roses. Ah, oh, trop beau. Alors, pour faire les roses, je démarre au centre, je n'écrase pas ma meringue. Je vais faire un tour en serrant, puis un deuxième. Hop. Aime bien. C'est magnifique.
puis alors la meringue italienne, ce que j'adore, c'est qu'elle brille. Ouais, elle est belle. Ah, elle est vraiment très jolie. Là, je vais faire des petits points. T'as vu, on peut faire deux formes différentes, hein, du coup. Avec la même douille. Voilà, je vais faire des petites roses avec la petite douille maintenant. Donc pareil, hein, je démarre au centre, sauf que ça va faire des plus petites. Ah, trop beau. Et là, je vais juste faire des petits points dans les endroits où il en manque sur les côtés. Super. Ah oui. Allez, mettre un petit coup de chaud à notre meringue. Donc on s'approche pas trop, on reste loin parce que ça colore très rapidement. Voilà, et on passe pas longtemps dessus. Hein. Alors, il reste plus qu'à mettre des petits éclats de pistache et puis trois framboises au milieu. C'est pas mal, hein. C'est toi qui vois, comme tu sens. C'est pas mal. Les framboises, on va mettre au centre. Hop. Mon petit cœur. Voilà. Ça te plaît? Ouais, c'est super beau. Mais écoutez, les petits choux, nous, on a de la chance. Parce que c'est parti pour la dégustation. Allez, à nous. On ne veut surtout pas voir de bulles, enfin d'air, dans vos poches. Parce que sinon, ça fait des paquets disgracieux sur le gâteau. C'est ça, non? C'est ça. Bah, sinon, dis juste dernière étape. Ouais, voilà. Parce que, allez, merci beaucoup de m'aider. Non, mais je la regarde. Elle se fout de ma gueule. Alors, elle nage. Mais non, mais quand ça fait de l'air, ça fait des gueulasses. Quoi. Ça fait un gueulasse. Allez. C'est parti pour mon moment préféré. Si toi, c'est la décoration, moi, c'est la dégustation. J'ai tellement envie de goûter. Ça croustille. Ça croustille. Puis j'adore la pistache. Alors, ça tombe bien. Et voici. On voit toutes les couches. On distingue le croustillant ici. On goûte? Oui. Allez, on goûte. Faut prendre avec un peu de meringue. Prendre un peu de tout. Oh ouais. C'est super frais. Et en même temps, enfin, je sais pas, c'est croustillant. Il y a plein de saveurs dedans. Il y a de la douceur. Et de l'acidité aussi, parce que c'est un peu acide. La framboise. Ah, c'est super bon. On sent bien la pistache. Les petits choux, ici, juste en bas, il y a la recette. On vous invite à nous faire partager vos recettes. Quand vous refaites celle-là, bah, vous la partagez à travers le hashtag Challenge Gourmand. Et puis, abonnez-vous. Découvrez plein de recettes diverses et variées. Moi, je te fais un gros bisou. J'espère que ça t'a plu. Oh bah oui, tu reviens bientôt. Hein. Avec plaisir. Trop bien. Allez. Salut les copains. Portez-vous bien. Et bon printemps et tout ça.